pour la confiance renouvelée à Congo Buzz Télévision, chers internautes. Bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pensent les Kinois. Nous sommes dans la commune de Lingwala pour échanger avec les Kinois trouvés ici présents par rapport aux propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, qui charge l'FCC d'être derrière l'arrestation de Vital Kamerhe. À cet effet, est-ce que Augustin Kabuya ne serait-il pas en train de jeter l'opprobre sur l'état des droits prôné par le chef de l'État? Est-ce que l'UDPS ne serait pas en train de se cacher derrière la justice pour rendre de compte à ses détracteurs? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur, nous sommes sur terrain pour échanger avec la population par rapport aux propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, qui charge le FCC comme étant responsable de l'arrestation de Vital Kamerhe. À cet effet, qu'est-ce que le FCC a à voir concrètement dans cette affaire? Malheureusement, je suis très désolé, très déçu du comportement du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabuya, à qui j'ai beaucoup de respect. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, M. Augustin Kabuya veut nous apprendre que la justice congolaise est colorée. Mais ce que je vais rappeler, à ce que je sache, la justice, elle est indépendante. M. Kabuya, j'ai aussi l'opportunité comme vous de suivre que si aujourd'hui M. Vital Kamerhe, qui a été condamné à 20 ans de prison ferme par rapport au détournement des fonds alloués à l'exercice de 5 chantiers, que le FCC était derrière, non. Mais l'IDPS est en train de prôner l'état de droit. Depuis l'avènement de M. le président Félix Tshisekedi, nous sentons qu'il y a des choses qui bougent de part et d'autre du point de vue des arrestations et consorts. Mais aujourd'hui, en écoutant un haut cadre de l'UDPS qui affirme que l'arrestation de M. Kamerhe était sous pression du FCC, c'est une bêtise, excusez-moi de le dire. Et je dirais, je pense que l'UDPS doit recadrer sa communication. Ils doivent former des personnes, ils doivent y avoir des personnes habilitées pour communiquer. Ils doivent y avoir des réunions au préalable avant de faire une communication. Ce n'est pas que quelqu'un qui dort, il se réveille un bon matin, il sort parce qu'il a besoin de parler, il fait venir la presse, il commence à raconter sa vie privée et consort. C'était vraiment une sortie manquée et c'est une grande bêtise de ma part. En parlant de l'état des droits, est-ce que ces propos ne seraient pas une manière de jeter de l'opprobre sur l'état des droits prôné par le chef de l'État? Mais c'est une contradiction, madame. C'est une contradiction. Parce que M. Kabuya, dans ses interventions, nous sentons qu'il est en train de soutenir l'état des droits que M. Félix Tshisekedi, le président de la République, a prôné depuis qu'il est à la tête de la présidence. Mais dire encore aujourd'hui que M. Kamerhe a été arrêté sous l'influence du FCC, c'est dire deux choses contraires. Donc, moi, personnellement, c'était un rendez-vous manqué. Il ne pouvait pas faire une déclaration pareille. C'est vraiment dire ou mettre de l'indiscrédit dans l'état de droit prôné par le président de la République. Est-ce que l'UDPS ne serait pas en train de se cacher derrière la justice pour régler des comptes à ses détracteurs? Non, je ne pense pas que l'UDPS, c'est vrai, ça, on ne doit pas, le masquer que chaque pouvoir a une influence sur la justice. Mais je ne vais pas le dire ouvertement parce que, à ce que nous savons, la justice reste indépendante. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je donne l'exemple, M. Kamerhe a été arrêté parce qu'il a détourné de l'argent. Ça nous a été montré noir sur blanc. Il n'avait pas ses moyens de défense. Il a été condamné. Et si nous donnons l'exemple de M. Kibé Memazunda qui a détourné de l'argent plus de 20 millions et qu'on sort. Donc je pense que la justice est en train de faire son travail. Il n'y a pas une main qui bloque comme c'était auparavant à l'époque de Joseph Kabila et du FCC. Aujourd'hui quand même la justice a une main libre de mettre, d'arrêter qui que ce soit. Donc dire que la justice est influencée ou l'UDPS est derrière la justice pour rendre des comptes, je ne pense pas. Sauf que ce que je vais demander à l'UDPS, c'est essayer un peu de temporiser et de faire des choses au bon moment. Il ne faut pas trop parler ou faire des choses pour faire plaisir, parce que d'autres déclarations
risque de mettre le président de la République en mal par rapport à ses actions. Parce que tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, il y a la population qui est derrière. Mais quand M. Kabuya, M. Kabounde, tous les communicateurs de l'IDPS essayent de faire des déclarations qui ne cadrent pas avec la vision du président, ça sera très compliqué. C'est une forme de donner au FCC des béquilles. Voilà, aujourd'hui, le FCC commence à en faire un problème. En se référant aux propos du secrétaire général, si la manigance est venue du FCC, pourquoi ne pas accorder au directeur de cabinet du chef de l'État une mesure de grâce pour qu'il aille se soigner à l'étranger? Je l'ai déjà répondu qu'il n'y a pas une manigance au niveau du FCC, moins encore. Monsieur Kabuya s'est trompé un peu par rapport à sa déclaration et je pense qu'il est pris par rapport à cette déclaration qui n'a pas sa raison d'être. Mais du moins, je pense que M. Kamere doit se revenir, se remettre en question, si je veux le dire ainsi. Il était directeur de cabinet, ils ont décaissé des fonds pour le 100 jours. Je pense qu'il devrait, à un certain moment, revoir les installations sanitaires de notre pays. Vous voyez, nous avons des hôpitaux ici en RDC tels que Cinquantenaire, Mama Yemo et consorts. Si M. Kamere est malade, pourquoi aller à l'extérieur? Il y a Mama Yemo qui est là. Il peut aller se faire soigner. Il y a Ngaliema qui est la maman Olive, l'ex-première dame, amie au monde ici. Elle a accouché à Ngaliema. S'il faut faire venir ces médecins à qui il a confiance, mais sortir, il est condamné à 20 ans de prison. Je pense qu'au centre pénitentiaire de rééducation de Makala, CPRK, Makala, autrement appelé, il y a un centre de santé. Il peut être soigné là-bas, qu'il fasse venir ses médecins au lieu de lui faire partir à Kokima. Donc moi, je ne pense pas que c'est une bonne raison. Au regard de tout cela, en définitive, si vous devrez dire un mot par rapport à cette affaire, que direz-vous? Monsieur Kabuya doit éclaircir l'opinion et je pense que c'est un rendez-vous manqué. Prochainement, c'est comme je l'ai demandé à ce que la cellule de la communication de l'IDPS doit recadrer ses tirs. Tout le monde n'a pas le droit de passer à la télé pour communiquer. Et la communication doit être unitaire, unidirectionnelle. La communication doit être centrée autour des activités du chef de l'État. Ils doivent faire un effort aujourd'hui à installer le parti UDPS, parce qu'on le sait bien que l'UDPS, depuis un moment, a été fragilisé avec le départ de plusieurs de ses cadres pendant les 18 ans. C'est ça le grand travail, parce qu'en 2023, excusez-moi, lors des élections, M. Tshisekedi ne sera pas accompagné de l'EFCC, du FCC, excusez, également, moins encore de l'UNC. M. Tshisekedi affrontera les élections seul avec son parti IDPS. Donc, c'est le grand travail que M. Kabuya a aujourd'hui. Au lieu de faire des déclarations sur des polémiques qui ne cadrent pas, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et la population attend du chef de l'État des choses que M. le Président a promis. Donc nous attendons, au lieu de se laisser emporter dans des polémiques inutiles qui ne cadrent pas avec le bien-être de la population congolaise. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie, madame. Mbote, papa. Mbote, madame. Papa, tu quittes sur le terrain pour échanger la population par rapport à vos propos et à secrétaire général, il y a UDPS, Augustin Kabuya, ou à victimiser FCC, dans la responsable dans l'arrestation de Vital Kamere. FCC a sali nini concrètement? Le secrétaire général, il y a UDPS, il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre de la Justice, il y a le FCC. Il y a bien. Avant procès à Kamere Banda, banani bazalaki koleka na ba télévision na bino nyonso kutu na image na ona mona mkolo msusu ou interpeller mtu ya PPRD ya mtu ya FCC otunaki yeke boni misale zali ko sala ma 100 jours batu ya PPRD bazalaki koleka na bi étendu yeke pona koyebisa batu ke non Félix misala bazali ko sala ezomona na te bayibi 15 millions ya batu ezomona na te bande quoi FCC ndé bazalaki koloba le losiko secrétaire général Augustin Kabuya soit lobby que non na sima ya likambo ya ndeko Vital Kamere ba FCC bayebi yango c'est ça le kotate na yango soki za remarqué que FCC to man za remarqué que maniga sa FCC salemaki pour la nini te ko accorder mesure de grâce. Bon, les problèmes ezawa ezana ngo problème te na minute oyo omoni ba congolais ba komika lokola banzinzi
bamoni muntu moko wa sumbi place telo to biste nani bi poso ya bitabe babwaki ango quelque part omoni bake bou mais wana za problème te lelo ata Augustin Kabuya lobi ke balkangi Vital Kamerhe pona bato FCC est-ce que yango nde kosil sans ala ba congolais non. Le Congolais en a besoin à maï, en a besoin à courant, en a besoin à kozwa ba miyibi ou ba yibi pendant 18 ans. Et ça, c'est quand il y a secrétaire général, madame. Ah, vous êtes quoi distraire le peuple. Le peuple a zan, le peuple a un yon kwa maï, et zot ton dans la babalabal. Ba miyibi, ba piyibi, son pendant 18 ans, tout yibi bango. Mais si vous êtes quoi, il y a un secrétaire général à lobby, kabouya yon kwa mi babé temi. Na yébite ke nambogo babé ta ba toi yidepes. FCC baza ba origine, ba auteur, y a pas ce peuple a zan à yango. Batika ko so ba lobeli bango likambo ko miko so bino ba journaliste ndene botika batwana to tumba bango kaka ndenge to zali ko tumba bango boyi na maloba ko tumba muntu ba lokisite ke to zoka ali meto tumba bango ata munoko to zali ko loba peuple kongolo akse ya kolela kolela ya mwana bazali ko tumba ma. Est-ce que UDPS a commis ko batama na suma ya justice te pona ko rendre ba compte na ba détracteur na non madame justice est indépendante. UDPS azana sima, UDPS azana pouvoir na mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka za institution ya liboso, première citoyen na Congo. Ba ponaki na UDPS, soki ezala bongo ke UDPS azo batama na sima ya justice. Kabunda balongole ndenge nini? Balongole na Conseil d'État. Soki UDPS azala na justice na poche na ye, kabunda il fallait atikala. Non, justice eza indépendant, UDPS azala parti politique. Mokonzi ya mboka za mokonzi ya ba Congolais nyonso. Justice de l'eau Félix Sakouko Longo, justice est côté à la Rabongo. Comment on a propos à Augustin Kabuya, est-ce que Malobana est comporté au propre thé dans l'état des droits où est prôné par chef de l'État? Dans mon élo, il y a ma belle lobby place où on a été selon Bino Bapanzisango. Mikolo et Komikaka, Milingan, Ndengatango, Milingan, Alobia, Wakobeta, Mokonzimboma. Bolobeli en voté. Boke le capen en Nino Bolo Bagay Milingan, Alobibo, Alobibo, Barnabé Milingan. Voilà Bolobi en voté, Montalobi à Gobom. L'élon de Gomsous, il y a FCC à Bimia, Alobi, et Bissot, Abato, FDL, Tokozo, Manduk, Tobando combattre pour voir exemple. Bolobeli en voté, Kakabouya, Alobi, Alobi, Loko, Yamabé, Tende, Bosotuna, Tribisomitun. Ah. Nanyo sona etant mon amboka so ki koloba liloba moko par rapport à faire au liloba no ezani. Liloba nanga ezali totele mele misala ya bato ya 18 ans o ba pié mboka ba sombi mapango ebele bele comme ko créer ba erosion et comme ton selebiso mai na balabala bazo tonga banda ku sans ko sala ba carnivo. Ozo mon bazo tonga banda ku na désordre bazangi na mbongo misala ko sala na ba mbongo ya ngo totele mele bango tina suka. Biloko ya ko yele biso o secrétaire général yi depe salobi Augustin Kabuya buya iba iloko mutu te ana institution moko te aza un individu. Secrétaire général y a eu des personnes là on a problème t'es. Merci. Ah bon tout bon santé sociale y a peuple. Bah tu vas vivre bas au courant mais il ne faut pas qu'on y ait distrait. Bien sûr on a magamba FCC basa bas au terre y a ma bénion sur yena Congo. Merci madame. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Papa te quitte sur terrain pour n'accosoler la population par rapport y a bas propos y a secrétaire général y a UDPS Augustin Kabuya ou a lobby que FCC est en assise mais arrestation y a Vital Kamerhe néanmoins tout le monde y a FCC a zo luka nini concrètement na affaire o maman makamboza koloba pour n'abîso bas Kinois ou bas Congolais monsieur Augustin Kabuya a zan a raison ngana zo pesa y raison pour n'akoloba bilo kwan. D'abord, FCC baye ba ke ba je bango bazali ko sala ezali malamu te pona biso peuple congolais. Bazala ki d'abord na espion na bango, c'est monsieur Vital Kamerhe, c'était un espion de l'FCC. Bango ne batinda ki asala makambo ebele ba pesa ki ba mission ebele. Etango échoué, alors bango ne batinda ki na libulu pour akena kokoya na libulu sans que ba préparer que eskato zo tinda ye wana. Ezaï Liboulou, pour le peuple congolais souffrir macasse pendant des années, depuis 32 ans Mobutu. Peuple congolais souffrir, Kabila le père, Kabila le père aïe, 3 ans, peuple congolais souffrir, 18 ans, Joseph Kabila aïe, peuple congolais souffrir, maintenant Félix Tshisekedi, aïe pour na kosala un peu, pas moko, pour congolais à se retrouver un peu, mais bah, toujours bah, coq à jambes. Nde basala ki batindi Kamerhe kenda oké na présidence combien de morts kenda na Kasai okuta ba veuve batikali combien e ba kufini kana corona kaka na présidence wana bisika bloko ane salemaki nzamba ebi yango soki Kamerhe za na prison eza bloka bango batu ya FCC batinda kiye bango ne ba prépara ki libulu na époque akenda kokoya. Nango komona ba propos ya ndeko Augustin Kabuya, est-ce que Malobana est-ce que remettre en question
état des droits où ils ont prôné par chef de l'État. Non. État des droits, ils ont l'état des droits. Même Tshisekedi, le père, à l'obaki, dès qu'il a commis président de la République, état des droits, il fait ça les mains. Ils ont félicité. Mobutu qui na dictature, état des droits, c'est que aux ans de quoi Mobutu bako kangayote. Kabila na dictature, aux ans de quoi Kabila bako kangayote. Mais fait état des droits, c'est là comme moko ya kala. Oh que ba Congolais, il fallait pas vivre yango. Ce qui justice, c'est ça, que ça la musala nango. Et salut Félix Titin, UDPS. Toi Félix, ça c'est ma justice c'était. Bato ba ibimbongo. Nakutanga bango ba combo, mais nabo na tanga ba combo lelo ba yebani, ba to FCC ba ibimbongo, ba 32 millions, ba mbongo ya ba école, ba mbongo ya ba santé, ba ibiyango. Soki ba kangi yo, obi ke Félix atini ba kangayo? Non. État de droit donc ba justice na biso, ba magistrat ba manosa li boso manipuler. Motasali mabebo kangayete, ogre uti kuna bo kangayete. Maintenant Félix atiki justice ça la mosala na yango. Félix ça na simate. En se référant à Maloba secrétaire général, ce qui est FC Sazana Sima, on a tout à salaire de manigance pour pas qu'on ait Vital Kamerhe. Pour la nini, il faut accorder des mesures de grâce pour qu'on ait se soigner à l'étranger. Non. Qu'on se soigne à l'étranger, ils allaient m'abéter. Batongela bis hôpital, il y a cinquantenaire. Pour la nini, il y a un hôpital moderne, ils allaient wana. Étranger, c'est quoi? Inde, ils allaient wana. Chine, ils allaient wana. Chinois, ils allaient à l'hôpital. Ba américain bazaba putain bango ao kaka to kena akenda poto azala awa sankre nganda ezala ba materiel nyonso ngaliema mama yemo ezala ba materiel ebele ba merci batanga na poto bazali wana pourquoi kaka akena ko sona poto na nyonso wana etomo na mboka so ki koloba liloba moko par rapport à affaire o liloba ne kozala ni liloba na koloba kaka ke batika Félix signé batika UDP signé. Mais UDP, ça se la moussala na ye en tant que parti politique. Félix, ça se la moussala na ye pour na komeka ko se soulager ba Congolais, ba longona niveau to zala ki ase, to koma na état de droit et ça la moussala. Mama, yo mona moutou moko abomi moutou. Un monsieur qui tient na moutouka, a zui revolver, a beti roulage, ma sa si pan, a koufi. Roulage, on a sali papa ya bana. Aza marié, a tiki mwasi na bana. Ba kanga ete po aza lekia. Est-ce que zala kabongo? Tika état des droits et salam sera nango. Merci papa. Merci maman Nangai. Ndeko bonjour. Bonjour madame. Ndeko toza sur terrain pour nous échanger la population par rapport à ma propos ya secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya ou a victimisé FCC le kozala na sima ya arrestation ya Ndeko Vital Kamerhe. À cet effet tonu to eba FCC azuluka nini concrètement na affaire wana. Bon merci vraiment la parole au PC Ngai eza première fois Nangai na zwa. Et le monde se rend compte dans la TV. Mais la question est premièrement dans le Bana, nous avons Augustin Kabuya, Azali secrétaire à parti. Et là, on a M. Baobosana, Azali secrétaire à parti, comme la partie Nyon Sézali, la PPRD, la partie Nyon Sézali. On va le président de la République, sauf comme déjà président, comme indépendant. On a sous-président de la partie Moroté. Comme président il a battu surtout. Alors, sur la salle de déclaration, on a mon imabé mon dans la carte sur Nanté. Et ça, Azap secrétaire a parti. À salle de déclaration, on est dans mon logique. Nayango, en se référant à ma propos naé, est-ce que Maloba naé exacte le roi a jeté au propre l'icolo à état des droits où ils a prôné par chef de l'État. Maman, Nalobia, aujourd'hui 18 ans mon tout chose ça awa. Bisous tout ça va jeune. Tout aussi ça va classe. 18 ans on a toyoka qui makambu ya ndenge na ndenge ba makambu o ba maniko lo bana ba TV na surtout na ba chaîne na bango mais tout ba kombo ba chaîne na bango na te mais to yebi makambu leka wana Augustin Kabuya makamba lo ba ki bon mon état de droit za makambu bele eza munene ro sarana te to lobi to za na démocratie mutu no za na liberté ya lo ba o za na on pousa mais il faut to longola mo ba sotisme ba isuti ba sotisme ro za na kata ba popo na biso mais d'autre part. Le roi a secrétaire à parti, moi conseil Rosala, na part na épée, à me rechapper moi ma inda mon avenir pour aider dans mon maramusus. Est-ce que UDPS a commis combat à manassumer la justice, t'es pas rendre à régler ma compte, n'a pas détracté en ayant soit calme. Non, les autres questions en été parce que tous les mois banné mon relique qui est belé, bon, à âge tu commis en gros. Bah, à l'époque il y a Mobutu, tous les matins Roland il a marmonné, mais à l'époque il y a Joseph Kabila. Justice est une époque qui a Kabila. Et ça, ils ont Félix a dit que les gens sont en train de se faire. Et ça, dans la route,
Mutalobi ma bé abuzoba net oyo atu ko ta prison oyo. Alobi buzoba président zani na mboka te. État de droit sali musa na ngoba che maboko eli komi chef de l'état azana sima wana il est président dans sima. Non, toi tu ko sanki sama. Makamu na makamu za na tana ngo. Ba juge nyonso na moment oyo tozolo baba ko mo senti ba mo sa musa na ba na liberté. Batika ba mo bazala kimia. La nyonso na etomo na mboka so ki ko lobali loba moko par rapport à faire oli lobani ozani. Bon, elo nga na loba. On a un grand bête la cité. Président Abisso Félix Azana Posa, étranger Nyonso. Nazo Ibiso maman. Oh, nous sommes mon abaso ba, langue mon abiso na mboka na biso ebele baza ba congolais. Tout tangi na bango na ba université, tout za na bango ba place ebele. Ebele baza na misu baza na opposition. Bazo batte mon akombo ya kozala ba congolais. Chef de l'État a eba ki bango Nyonso na tango za na opposition. Stratégie ya sali ya politique na ye. Et qu'on soit tout, tout bien, ça va en union, ça va à Liban, y a mon cannabis. Comme ça, tout ce cannabis, moi, pas congolais, tout va nous gérer, mon cannabis, on est au Sénégal. Merci, Ndeko. Merci beaucoup, on a pu sinon, merci. Ndeko, bonjour. Bonjour, maman. Ndeko, te quitter sur le terrain pour échanger la population par rapport à vos propos et à secrétaire général, il y a UDPS, Augustin Kabuya, où ils ont chargé FCC comme responsable de la arrestation de Vital Kamerhe. Nayango to ngito yeba elo dikambo FCC na kati wana eza nini concretement ah oyo ngane na ko yebise bino ezake Augustin Kabuya aleki na chaîne pour défendre parti na ye oui pour parce que bazaka kati kwa gize parti na ende eza na base ya arrestation ya mwana mboka Vital Kamerhe ya mwana yeba aleki akisike batro bazaki na justice na maboko ezake IDPS ezaki nde FCC yangwana lobi bango na makambo wana bazati wana azana rezo defone parti na ye parti politique na ye azana rezo na yango komona maloba ya Augustin Kabuya est-ce que ezate le roi ko jeté au probe likolo ya état des droits o eza prôné par chef de l'état non il y a defone kana bango wana eza état des droits eza justice a defone kana bango parce FCC bango bazoka kize bango nde bakangisi Vital Kamerhe pona makambo accord na bango ya Kenya. Il y a un problème qui est un problème qui est justice, un problème qui est un problème. Non, le babou est exam à paix. Tout le monde a équipé Bafouna Yemou Kabunda, Kabouya, qui n'a pas la justice. Kabouya, Kabunda, qui n'a pas la justice, qui n'a pas l'assemblée. Babouya, qui n'a pas de requête. Il ne fallait pas que le babou est. Il n'a pas de combattre avec la justice. Il n'a pas de combattre avec la justice. Mais le bâtiment, il s'est déjà vite calmé parce que ça monte dans le bango. Il n'a pas de combattre. Moi, en se référant à Maloba ya Augustin Kabuya, ceux qui vraiment manigance et outa mupandi à FCC pour bakanga Vital Kamerhe, pour la nini quoi accorder mesures de grâce pour qu'il ne se soigne à l'étranger. Mesures de grâce, oh, bako, c'est un piège, maman, faut pas l'endormir bien, place c'est un piège. Bah, toi, bah, maintenant que le Bali bosse, bakanga Kamerhe, ne bango le bazo le Bali bien Kamerhe. Congo, on a vu ce débat, le retour de la population congolaise. Y'a moi, na il est quoi, c'est un piège. Lokola awo tola ba docteur Belé lokola mwana mboka mbe azo bela ko kele na ba mama yembo ake na ba hôpital 59 ba tikete poko paka liban liban ne ba bazame bazakuna bazame wana ba ba Belé ba docteur Belé ba liban wana la plus pa baba congolais ba ji formation kaka na inikina hein mama nga ibilo loko wana ya ko lobeza tena loko wana na nyoso wana eto mwana mboka so ki lo balilo ba moko par rapport a dossier o lilo banu ko zalani. Le Bananga est un boye, le Bananga est un Kamerhe, Azobela. État de santé, la base juridique est obligatoirement, nous avons besoin de soins de santé. À Kokende, dans la cinquantaine, il y a des grands docteurs là-bas, partout, il y a des grands docteurs basal. Il y a des traités, Azonga normal. Ce qui est bon, c'est que Baba quitte, c'est le Bango. Ce qui est bon, c'est que Jijaki, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Obama na IDPS ya mwana kabuye pe amoniki ba ko ba mabiso problema ya mwana zote fonda parti na bango ko ba ki influence makamwana makambo a etat de droit ya zote fonda parti na bango ke balolo ba bango baza batu ba respecta ba porte ya mwana nga mona la nage na top Congo ya mwana ye pa le bino bino pa makamunyo so bozo chaka e pa na biso me biso justice wana IDPS mutwana justice te finance IDPS mutwana finance te pourquoi bozo chaka likolo ya IDPS ya mwana to la nage ya bolo ba izate
Merci Ndeko. Merci. Fin de cette émission qui a connu la participation technique de Gaël Homo Fortis. À vous tous qui nous avez suivis, merci de votre attention soutenue. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien.